un égoïsme parfois. Tu t'es tapé une monnaie de 17 000 années, pourquoi tu l'auras pas trouvé? Moi j'ai le même chiffre. C'est clair, on a des calculs. Moi, ce qui m'emmène le plus, c'est que mes parents n'ont pas de bac, pas de capacité. Bon, allez, il faut bosser maintenant. Tiens, on va commencer par la psycho. Je vais vous donner un thème et on va essayer de plancher dessus ensemble. Qu'est-ce que le silence? Le silence, c'est quand tu me fais plaisir et que tu te tais. Très bien, je ne sais pas que tu n'as pas de réponse que tu n'auras pas de bac. Moi, ça trouve pas mal, c'est une réponse simple mais efficace. Bon, le silence. J'écris silence. S I L E N C E A. Ah voilà, silence. Tu te rends compte d'être trouvé que tu as fait en orthographe, tu auras au moins ton bac en français, c'est sûr. Arrête, je te fais une bac. Tu l'écris comment le bac? Arrête, donne-moi. Ne me dis pas que tu l'as déjà passé la dernière, ton bac. Si, mais c'était plus pour faire une répétition, comme un petit entraînement avant pour un jour. Mais tu es une grande malade. Et au final, tu l'as eu ou pas? Si j'avais accepté d'être notée, je l'aurais eu. Et avec mention, mais je vous l'ai dit, c'était juste pour faire un petit entraînement. Enfin, cette fille est folle. Je sais, elle est sanglée. Pour les maths, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? J'ai rien compris au programme. Non, maths, t'es trop occupée à l'aide de maths, elle te fait bien, ça va? Sérieux, la prof de maths? Non mais c'est quoi ces goûts de chiottes? Vous avez tort, elle me Moi j'ai besoin d'aide pour l'histoire, j'avais jamais repéré. Ah si, par contre, j'ai dit que j'ai aussi un pied, c'est 1515 Perpignan. C'est pas du tout, c'est 1515 Marignan. Rassure-moi, tu connais toi-même ta date d'anniversaire? Mieux, la date du jour? C'est bon, c'est vraiment pas drôle, j'ai jamais aimé les chiffres, non plus, moi jamais aimé. Les pires, ce sont ceux qui s'indiquent sur ma balance. T'as grossi, hein, mon hôtel. Dès que je t'ai vu en faire un sage, j'ai vu que t'étais le boudinant, ton gil. Vous croyez que ce sont les kilos en trop de matos qui vont nous aider à avoir notre bac? Au vu de ce grand désastre intellectuel, je ne vois plus qu'une seule solution. Il faut que nous demandions de l'aide. Je ne vois que deux personnes qui pourront nous aider. Oh non, pas eux! Tu vois notre solution? Non. C'est trop lent, on va se faire partir de chez moi. Vous avez vraiment cru que l'on se serait rabaissé devant vous?